You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 12e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. On est de retour à notre village, notre début de l'aventure, notre cocon finalement qui s'agrandit au fur et à mesure. Bon, malheureusement, on n'a toujours pas de quoi réellement agrandir les huttes de nos copains. Hein, et il manque pas grand chose à chaque fois, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va enfin. Secourir visiblement secourir le vénérable, la légende du mammouth, hein, c'est clairement que du mammouth, hein. Parler à Tensai. Voilà, on va parler à Tensai, on va d'abord parler à Woga, le fabricant, parce qu'il va nous débloquer des nouvelles missions également sur la map. Et ouais, il y a une main d'Aïcha qui se traîne ici également, une main d'Aïcha également là-haut. Enfin, il y a un petit peu partout des mains d'Aïcha, regardez, c'est incroyable, main d'Aïcha. Je suis en train de capter. Bon, il y a de quoi faire. Mais voilà, on va enfin discuter avec les copains qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On va commencer par Woga le fabricant parce qu'en vrai il peut nous fabriquer des outils quand même indispensables. Hein. Voilà, comme ça on a une nouvelle mission un petit peu fofolle, tuer des Udam. Pour récupérer des bouts de bois pour qu'ils puissent fabriquer ces choses, c'est pas mal. Et puis maintenant on va aller voir notre cher ami le chaman, hein, parce que on veut bah il veut nous parler depuis un bon moment maintenant, hein, donc clairement. Afi. Yasushulhan Purpana. Usa Pacha. Et c'est reparti pour un nouveau trip. Ça faisait longtemps. Et ça ne m'avait même, pour ainsi dire, pas vraiment manqué, parce que le dernier m'avait quand même fait un peu bader. Donc là, je pense que ça va être de pire en pire. Mais c'est pas grave. Bienvenue dans la forêt du bonheur, bien sûr. Vision de feu. Je rappelle que là, on va pouvoir voir la vision des Uda, je crois. Ah non, là, c'est les Isila. Découvrez la plus grande peur des Isila. Ah bah, ça va nous aider, ça. Les vilains Isila. Pas touché Krati. Ok, atteignez les pierres de Alors qu'est-ce que c'est que Krati? Feu de Krati. Ah, tous les Isila craignent le feu de Krati. Maintenez, appuyez pour tirer une flèche météore et déchaîner la rage du soleil. Tuez 5 ennemis pour charger le feu de Krati et obtenir un puissant tir à 3 flèches pour votre prochain tir. Après avoir tiré une triple flèche, vous reviendrez automatiquement à une flèche météore. D'accord. Ah ouais. Ça a l'air violent leur truc. Allez, salut! Allez, salut! Wouah, volcan en éruption! C'est la fin des dinosaures! Mais c'est vrai qu'à l'époque préhistorique, ça devait faire peur, ça, hein, parce que c'est dans les gènes et tout, non? Impressionnant, me diriez-vous. Oh, c'est beau à voir! C'est beau à voir! C'est beau à voir! Hop, ça c'est pour le plaisir. Oh là là, ça envoie les météores et tout, c'est incroyable. Bam. Bam. Oh. Ok. Détruisez les pierres. Bam. Bam.
Bam. Bam. Magnifique. Ah yes. Ça a bien marché. Voilà. What? What? Tuez les Isila, rechargera votre arc. Ok. Voilà. Briser la lune. Oh oh. Ouais, c'est Call of Duty Black Ops 2. Oh, incroyable. Bouge pas. Où c'est qu'il y a un Easy là encore là? Faut que je tue des Easy là là pour recharger mon. Pour recharger mon arc. Hein. Ok. J'adore par contre ce qui se passe. Hein. Faut le savoir. Non. Voilà. Hop. Oh là 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 là. Là on a changé de délire là. Là on a clairement changé de délire. Aïe. Et meurt non. Ok. Hop. Je suis en train de crever calmement. Wouh. Hop. Je parle pas trop les amis là, je suis à fond dans le machin, je vais pas te mentir. Derrière là. Tac. Bon. Commence à me saouler là. Mais les gars, faut mourir. Boum. Regardez-moi ça. C'est du spectacle hein. Bon bah on continue hein. C'est très badant hein. C'est très badant mais j'aime bien. Ok. En fait ça me fait penser à certains cauchemars que je fais. C'est marrant hein. Hop. 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 Oh mais je suis enflammé là. Ok. Incroyable. Incroyable. Là ils sont trop nombreux. Hein. Oh non. Oh yes. Bonjour, c'est The Brolos, je vais vous expliquer la fin de l'univers. Incroyable! Vision du feu terminée. Eh ben, je suis content que ce soit terminé, je vais pas te mentir. Est-ce que ça va nous apprendre? Bah si, ça nous apprend qu'ils ont peur du feu Krati. Shansha, Sushalai, Spacham. Nay. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwaya Sushalai, Twayas. Prasqua Pashta.
Scratty. Scratty! Mash. A soup near Pacha. A kiss. A kiss. Who? Alors déjà tu vas me parler autrement. Ok. Ok, ok. Une bonne chose de faite. On pourrait continuer dans le thème et se faire un petit trip. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, parler à Syla. Oh, j'attendais ce moment depuis si longtemps. J'attendais ce moment depuis si longtemps de pouvoir reparler à ma sœur. C'est quand même la première en fait, tout simplement. Ah, je suis content. Ah, je suis content, je suis tellement content, je passe n'importe où. Hein. Allez, let's go. Sa Udam. Palhu Winja Huguana. Cha. Chaus. Tanhi Tushidaha. Akista. Tanhi Nakwaida Shanchish. Aish. Tanhi Tushi. Shanchi. Aish ul Gwanda. Sa Damshu Wana. Gwanam Charufadas Sidamsha Shlapa. Ma Muwaida Kwati Sharus Fadas Shanchi. Daru Balya. Laiwabi. Udam Dijamso. Uti Shausi Shwada. Nasam. Let's go! L'antidote anti-poison! On y est! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! J'attendais ce moment depuis si longtemps! C'est fou! Alors attendez, parce que du coup il y a eu plein de choses. On a Wogal Fabricant, reprenez Udam les morceaux du vieux Totem Wenja. Difficulté difficile. Ici on a Urkill Penseur, bon ça c'est de la connerie. Et voilà. Trouver la feuille jaune du nord, rare en terre Udam. C'est là-haut qu'on aura l'antidote. Ah purée, ça va être compliqué par contre. Hein. On va vraiment retourner dans le nord là? C'est chiant, je voulais pas. Moi je veux pas retourner dans le nord tout de suite. Hein. On part dans tous les sens parce que je rappelle qu'il y a deux ennemis. Il y a Uli. Bref, c'est cette zone là, lui là. Le grand Darwa. Et on a les méchants Izila qui sont en bas. Voilà, on a enchaîné ça. Le chaman c'était Izila. Et là avec Syla c'est plutôt le nord, les Uli, qui nous ont attaqué dans notre village d'ailleurs. Bon. Allez, on va y aller. Hein. On va y aller. Aïe aïe aïe. Ça m'énerve. Je voulais pas retourner dans le nord là. C'est chiant. Allez, on se barre d'ici. Ah bah là l'ambiance est un peu plus fraîche. Hein. Bon, c'est vrai que ça rafraîchit, tu me diras. Hein. Ça fait toujours du bien. Hein. C'est plutôt sympa. On va ramasser sur le chemin la cèdre du nord. La cèdre du samedi soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des embrouilles ici, hein. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wesh. Ça fait trop peur. Paf. Oh. Salut. C'est par où qu'on va? Gentil hein. Je peux même te monter dessus d'ailleurs. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est bon ça. Let's go. On va passer par là gros mammouth. On va monter ouais. On va prendre de l'altitude, on va prendre de la hauteur. On va suivre le chemin si je puis dire. Ouda. Voilà.
Eh bah c'est pesé. C'est pesé, remballé. Ah c'est superbe. Ah c'est superbe. Alors là il y a un chemin. Comment je vais faire pour accéder? Je connais pas encore là. Ok, faut suivre le chemin là, ici là. Ok, très bien. Hop. Il n'y a pas vraiment de chemin. Il n'y a pas vraiment de chemin. Bon bah c'est par ici. Oh t'es mal ours. J'ai pas fait exprès mais je l'ai déglingué. Oh je l'ai déglingué mec. Non c'est incroyable. Tu sais que c'est meilleur que le dent de sabre ce mammouth hein. Le mammouth est meilleur que le dent de sabre hein. Ça me tabasse. Oh, on touche pas plus petit que soi. Non mais par contre il faut réussir à monter là. Fais un petit effort quand même. À la one again. Voilà. Ça dégage la racaille. J'adore. J'adore ce jeu. Wesh, tu fais quoi là? Bah il est mort. Je l'ai littéralement one shot hein. Ours des cavernes. Ours des cavernes messieurs dames. J'en ai besoin des ours des cavernes. Pour la hutte. Magnifique. Magnifique. Tout se passe à merveille pour cet épisode. Ce démarrage hein. C'est un bonheur. Allez par ici messieurs dames. Ah je suis très content là de ce qui se passe. Ours des cavernes, j'en ai besoin. C'est superbe. C'est superbe. On chasse plus facilement les ours des cavernes que des blaireaux, ça me fume. C'est magnifique. Oh c'est magnifique tous ces combats là. Aider les Wenja défense, quête abandonnée. Bah j'ai même pas voulu commencer la quête en réalité hein. Ok, j'arrive sur zone. En terre, Udam. Oh, petit loulou. Ramasser la feuille jaune. Oui, bah si tu crois que c'est ce loup qui va m'en empêcher. Bah alors. Voilà. Ah. Il a cru quoi, lui? Il a cru quoi, lui? Tac. Eh, par contre, t'es trop fort, toi. Je reste avec toi. Clairement je reste avec toi, t'es trop un ouf hein. Ok, faut trouver une feuille jaune. Je pense pas que c'est la partie la plus compliquée de l'expédition je pense. Oh attendez, il y a une pierre. Il y a une pierre là où je suis là. Ah mais certainement dans la caverne, non? Il n'y a pas de caverne? Elle est où la pierre? Bah qu'est-ce que cette histoire encore? Il y a une pierre là. Oh non, le mammouth! Le mammouth a disparu! J'ai trop le seum. Bon bah, il doit y avoir une grotte à quelque part. Oh! Ouais, ça continue bien là-haut en vrai. Ouais, ça continue encore bien là-haut, hein! Waouh! Ah ouais, 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 ouais! Bon. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est un ouf! Bon, il me faut de la feuille jaune. Ah, c'est pas compliqué, je pense. Tu crois qu'elle est en haut? Ah non, pas sûr de la pierre. De la feuille jaune. Si vous voyez de la feuille jaune, les amis. Hop là, le one shot, il a rien compris, lui. Alors lui, il a rien vu venir. De la feuille jaune, mais bordel. C'est ça? C'est ça? Non, c'est de l'argile là. Ramasser la feuille jaune. Mais est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Est-ce qu'on se foutrait pas? Je suis dans la zone là. Hein. Je suis dans la zone. Ramasser la feuille jaune. On peut pas casser ça. Ah, voilà! Ouais, bah d'accord.
Kenego Dami. Kenego Dami. Remarquez quand même que à la préhistoire il y avait déjà des produits dopants. Hein. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Oh, vous avez vu le petit ours, il m'a fait salut avec sa patte. Quoi? Les Udam ont pris votre équipement. Ah, donc là, t'es en train de me dire concrètement que je suis dans la merde. Mais attends, mais hey, il m'a enfermé, mais je peux quand même me barrer. Et il est bête ou quoi? Échappez-vous de la cellule, mais il est bête ou quoi? Eh, j'en ferai pas un élevage. Hein. Alors ok, j'ai pas le grappin, d'accord. Mais bon, là, si je veux sortir, je sors. Hein. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je me suis un petit peu chié, j'avoue, mais... Et puis, la cellule est grande, hein, c'est sympa quand même. Hein. C'est quand même du luxe, hein, ce qu'il me fait, là. Hein. Mais je veux dire, bon, dans tous les cas, là, si je veux sortir, je sors. Hein. C'est-à-dire que là... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Je dois être sacrément con et il y a un truc à ramasser, à mon avis. Non, mais il faut juste que je fasse du parcours, mais je suis nul, là. Là je suis nul là, il m'a affaibli là. Il m'a impressionné là, je tremble encore. Ramassé. Et bah alors? Bah vous foutez de ma gueule ou quoi? Impeccable, même avec le grappin je suis nul. Bon. Allez, ça balance pas mal. Ah c'est bien, c'est à tout moment si le mec me voit il pète un plomb. Hein. Bon ça demande du temps hein, de prendre de l'élan. Hein. Allez, c'est maintenant. Hop. Allez. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et à mon avis, je dois rien comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est aussi nul. Allez, on balance. On balance. Allez, un dernier coup. Hop. Je vais péter mon crâne. Oh, je vais péter mon crâne. Ok, j'ai capté. Non, je vais péter mon crâne. Je suis mort de rire. C'est le pire épisode. Voilà. Eh ben, c'est pas possible ça. Bon. Monsieur n'est plus là. Trouvez votre équipement. Mais bien sûr. Bien évidemment. Eh oui, je ne peux pas aller dans le poison. Il faut que je fabrique protection. C'est quelque chose que je veux faire depuis le début de l'aventure. Mes armes sont là. Impeccable. Ferme ta gueule. Hop. Et voilà. Une bonne chose de faite. Ah, oh, ils sont quand même pas très malins. Ils sont pas très fut-fut. Il faut que je me réchauffe. Fouiller les grottes pour trouver une sortie. Pas de problème. Pas de problème. Là, il y a du feu, c'est parfait. Un petit loup. Parfait. Hop. Chercher. Voilà, c'est superbe. Hop, on va enflammer le gourdin. Ah, niveau exposition, on est pas mal là. Là, on est de retour à l'Himalaya. On est sur le mont Everest. Phénoménal. J'ai envie de sauter. Oh. Voilà. Comment ça j'ai froid? Arrête de dire que j'ai froid, j'ai du feu dans ma main. Oula. Je ne peux pas appeler ma chouette. Ah c'est pas chouette ça. C'est pas chouette hein. Bon. 1, 2.
3. Et lui, c'est un alerteur. Alors attends, putain, ils m'ont même pas fait de flèches, les salauds. Ah oui, il me reste 10 flèches. Ah, c'est pas terrible, hein. Oh, bâtard. Et lui, c'est un mastodonte. Bah, en vrai, je vais peut-être pas les affronter. Je vais peut-être pas les affronter parce que là, l'idée, c'est juste de s'enfuir. Là. L'idée, c'est juste de s'enfuir. Hop. Tout doux, la bête. Tout doux, la bête. Oh, tu m'as pas vu, c'est pas vrai. On tente, hein. On tente, hein. Il va où, lui, là? Putain, je suis censé me barrer où, là? Il va où, lui? Là, il vient littéralement sur moi, hein. Alors. Ah, ok. Allez, salut! J'ai foiré la mission! Pas grave. Ah merde! Bon bah c'était pas par là la sortie. Attendez, c'est un malentendu! Ce n'est qu'un malentendu! Ah la one again! Bah c'est pas par là la sortie du coup. Bah qu'est-ce qui veut appeler des renforts ici? De toute façon, y'a pas de renforts là. Pourquoi j'ai stressé? Hop. Ah, gênant. Wesh, wesh. Tu sors d'où là? Bon, bombe à piquant. Oh, je peux même pas. Oh, je suis mort. Voilà. Fais pas le malin. Hop. Allez, hein. Ça dégage la racaille, hein. Pas le temps pour tes conneries là. Superbe. Voilà, prends mes flèches dans ta gueule. Paf. Attends, ça va, je rigole. Hop là, l'esquive de la loutre. Paf. Prends feu maintenant. Prends feu, mec. Allez, il faut mourir. Voilà. Oh, il est con, lui. Oh, je me chie dessus, bordel. Hop. Faut pas ramasser ça, c'est dommage. Bon, lui là-haut, il m'emmerde. Oh, j'avoue, le lance-pierre, j'avais oublié ça. J'avais oublié le lance-pierre. Incroyable. Ah, c'était là la suite. C'était là la suite. Par contre, j'avais oublié le lance-pierre. Bien sûr. Je suis nul. Bon, il me reste 4 flèches. Ça craint. Ça craint, ça craint. On n'est pas sorti de l'auberge. Parce que si tu veux mon avis. Alors, je peux aller là. Je pense que ça va mener à rien. Ouais. Monsieur? Il est en train de dormir? Ah, il est en train de dormir. Voilà. Non mais j'avais pas compris que c'était un méchant. Il dormait tranquille. Bah attends, on va le faire dormir plus longtemps quand même. Y a des trucs à récupérer, je pense, hein. Monsieur. Voilà. Superbe. Rien de bien incroyable. Alors. J'aime pas quand je vois checkpoint en haut à droite là. C'est absolument terrible. Alors, ok, 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 gênant. Ok, ok, on va passer par là si on peut éviter le combat, hein. Si on peut éviter le combat,
Ok. Oh. Bon, ça suffira, hein. Faudrait pouvoir spotter la sortie. Ouais, bien sûr. Bah là, je me suis retrouvé dans la merde. Là, je suis un peu dans la merde. Non, c'est pas vrai, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Attends, j'ai une idée. Je suis un boss. Tais-toi, 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 tais-toi. Alors ça, c'est du génie, ça. La suite, c'est pas là-bas. Je peux pas sortir là-haut, hein. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Ok, bon. Faudrait que je descende, à mon avis. Ok. Ok. Yes. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je descende là, les gars. Ah, ils se bagarrent entre eux. Voilà. Je suis un boss. Je suis un boss. Bon, c'est peut-être pas forcément là que je dois aller, hein. Y a de l'eau en bas, en vrai. C'est là où je dois aller. Ah, c'est là où je dois aller. Oh, trop chiant. Oh, trop chiant. Je me suis fait arnaquer. C'est pas grave. Et arrête, tu m'as pas vu, c'est pas vrai. Pourquoi tu viens, toi? Pourquoi ils viennent tous? Oh, je vais me faire encercler, je suis mort. Ok, la sortie, c'est bien là-bas. Lui, il refait demi-tour. Ok. 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 Oh, ça fout la pression. Évidemment, le masto. Allez, salut! Éliminer les gardiens de la grotte? Tu rigoles ou quoi? Bon bah salut, hein. Salut les rouillards, hein. Aïe. Allez, salut. Éliminer les gardiens de la grotte. Allez, c'est maintenant. Il est mort. Il est mort, c'est bon. Allez, allez, on y croit. On y croit. On y croit. C'est de l'eau en bas. Oh non. Oh non. Mais non, mais putain. Mais non, mais putain. Mais non. Mais non. Oh bah remarque, ça m'a permis de reset. Ah, c'est pas mal ça. Mais j'ai trop le seum. J'avais réussi là, je l'avais éliminé. Oh, chiant. Bon, c'est pas grave. C'est pas... Je pensais que c'était de la flotte, moi. Il y a un grappin là. Salut! Allo, Nugget! Let's go! Ah! Ça va, les gars? Tant mieux. Paf! Il faut mourir. Paf! C'est bon, il est mort. Il est mort et moi aussi bientôt. Ah! Arrête! Allez, salut! Attendez! Ça m'a entendu! Arrête! Mais c'est quoi ce bug? Attendez! Par ici! Voilà! Oh non! Mais non! Mais non! Ok, ok, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ouh. Ouais, c'est terrible, hein. Ce jeu est terrible, hein. Ce jeu est cruel. Par là. C'est un cul-de-sac. Je suis mort. Ah, oh, c'est bon.
Bonjour. Ah. Salut. Arrête. Allez. Oh putain, ça me saoule. Bah ouais. Mais ouais, mais je monte où là? Arrête. Oh, ça me saoule. Ça me gonfle. Je vois pas quoi faire, c'est un bonheur. Allez. Allez. Voilà. Je suis nouveau sur mon grappin. Voilà. Voilà. On se balance. Hop. On y retourne. Allez, monte maintenant hein. Voilà. Allez, vous voulez pas monter avant. Go 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 go. Oh, c'est terrible. Ok. Voilà. Voilà. Let's go. Mission terminée. Eh bah putain, c'était cata hein. Et je suis mort en tombant dans le vide, donc en vrai ça compte pas, je trouve. En vrai. Let's go! On a enfin, messieurs dames, le antidote anti-poison. Non, tu rigoles. L'éther Udam, entrée d'éther Udam régie par Ul. Emparez-vous de ce fort Udam lourdement. Ah ouais. Donc là, on avait deux boss. En fait, on en a. Oh là, c'est, je bégaye carrément. On en a trois, ok, superbe. Vous pouvez désormais confectionner l'antidote. Let's go. Voilà, l'antidote. Il faut de la viande et de la feuille jaune. Comment? Bah ouais, là on consomme là. Là je viens de consommer un stimulant de vitesse. C'est pas grave, heureusement j'ai pas gâché. Mais comment tu fais pour le fabriquer du coup? Ah mais non, c'est pas que tu le fabriques, c'est avec la ressource que t'as, tu le consommes directement tout simplement. Ok, bref, donc voilà. J'ai 12 feuilles jaunes du nord. Ah mais c'est superbe. Ah bah c'est bon alors. Donc voilà, là on pourra prendre tous les trucs de poison. Donc notamment je pense à cette caverne là-haut. C'est plutôt pas mal hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, et eh ben purée, c'est fou. C'est un épisode de dingue. Qu'est-ce qui se passe là-bas encore? Le chaman il va encore me voir là? Vraiment? Bon bah tant qu'on y est, c'est un épisode de village après tout hein. Oguaham. Nakrabi. Hirakis Bata. Mupur Hirakis Laigua. Palu Mansipa. Guaida Mu Bateris Quala. Mikrabi Udagua. Machi Salwa Urus Dagua. Machi. Bartari Sharchimas. Krati Dausmas. Prasqua Yahu Bajam. Mas Prasqua Bi. Bartari Krati Kasha. Bartari Krati Dwaisa Krati Dwaya. Gwifwa Sakrati Hubdagwa. Nusa Sushelhain Jashman Suchaya. Ah, chimasta guarpeti. Ukratis prasqua waida. Tu sus dugistar. Drauba mas.
Bon bah on a bien fait de le voir, comme ça ça nous débloque une nouvelle mission sur la map également. Donc ça au moins on risque pas de s'ennuyer. Merci mon frérot. Waouh. Bon les amis, sur ce beau ciel bleu, c'est magnifique. On va s'en arrêter là pour cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Un épisode un petit peu plus court que les derniers quand même, parce que c'est vrai que là on a enchaîné les longs épisodes. Et là on a vraiment, mais alors pour le coup, bien avancé. Et alors est-ce que j'ai pas encore une fois des ressources là? Ah voilà, peau d'ours des cavernes, il m'en faut 3 en fait, donc il m'en reste plus que 2. J'ai trop le seum. Récompense d'amélioration, sac à bombe. Oh, incroyable. Voilà, faut de la peau de cerf rare, je le rappelle, peau de blaireau, peau de mammouth. Ah, oh mammouth. Oh, mais ça tombe bien parce que là, comme on va retourner dans le nord par la suite, on a moyen de se faire bien kiffer. Carouche le guerrier, en plus là c'est la zone des mammouths il me semble, non? Ours, mammouth, ouais regarde, mammouth. Prochain épisode les amis, on va rattraper Carouche et on va l'aider à vaincre son ennemi juré parce que ça fait un petit moment qu'il est parti mine de rien, on l'a un peu laissé dans la mouise. Donc on ira le récupérer dans le prochain épisode, hein, tout simplement. N'oubliez pas le pouce bleu et à très vite, c'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde. Qui fait cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 7.